I'm not sure if you can hear that. I'm so happy. Bon, je me suis dit que le moment était venu de vous faire un petit rapport de comment s'est passé le départ. Parce que je trouve que c'est quand même important de revenir dessus parce qu'en vrai ça c'est bien fini. Donc en partant, Diane nous a filé une enveloppe chacune, voilà, nous a jeté. Et du coup en l'ouvrant, on a découvert qu'elle nous avait filé 500$ chacune. On était très contentes parce qu'en vrai on ne mérite pas moins. Et du coup ça nous réconforte dans le fait que bah, elle a abusé et qu'elle nous en demandait beaucoup trop par rapport au contrat de base. Puisque bah, elle s'est sentie redevable et obligée de nous donner de la thune quoi, donc c'était pas dans nos têtes et du coup on est contente, ouais, on a 500$ en plus, donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Du coup on va pouvoir les utiliser, en plus c'est en liquide donc ça sera parfait pour l'utiliser quand on aura le van pour payer tous les campings qu'il faut payer en liquide dans des petites boîtes, donc c'est trop bien. Et du coup ici il reste un peu moins de 2 semaines, c'est très sympa, c'est au milieu de nulle part mais la maison est très sympa, il y a plein de grands champs avec les chevaux, ils ont que des chevaux et sinon ils ont aussi des fermes d'huîtres, ils ont 4 fermes d'huîtres, c'est des riches hein, très clairement. Au-dessus d'Auckland, donc ça on ne les verra pas, et voilà. Mais il y a de la moula, d'où la maison d'architecte, qui est très stylée. Et voilà, et on mène la grande vie, vin tous les soirs, très bon repas. On peut faire des super bonnes recettes, genre on dit ce qu'il faut et ils font les courses. C'est super génial, j'aime beaucoup. Et notre travail consiste à surtout faire du jardinage. On est un peu les jardinières. Désherber, mettre de l'écorce, faire le bois de chauffage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oh, laver les voitures, on a fait ça hier, on en a lavé une, elle était immonde. J'ai nettoyé la landerie, là où il y a les machines à laver et tout. Tout rangé. Lilou, elle a nettoyé tous les murs de la maison à l'intérieur. Voilà, on fait à peu près les repas tous les soirs, en vrai, on cuisine super souvent. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ils ont adopté un nouveau chien, c'est trop cool. Et voilà. Et donc là, on a trouvé la prochaine destination. On va descendre encore un peu plus vers Wellington. Là, notre objectif, c'est d'aller à Wellington et d'y passer un petit moment. Donc de trouver une maison pour nous accueillir en échange de notre aide, mais dans le centre. Ça serait trop bien. Comme ça, on peut visiter la ville quand on a du temps libre. Et vu que Wellington, c'est la capitale, ben, on aimerait bien explorer et pas être dans un coin paumé. Et ensuite, on ira dans l'île du Sud. Là, ça va être le grand moment. C'est le meilleur endroit apparemment. Donc très, très hâte. Très, très hâte. Coucou les bébés! Oh my god, I'm so sad! That's a big hug! Here now. Alright, straight ahead. Stop. No, straight ahead. Yeah, wait. We have to wait. Don't scare us. Should I wait now? Yeah. Wait. 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 No, no, go. Are you nervous? Yeah! No, I drove all the way to Napier on my own, so it's okay. And in the city, so it was good. L'activité très cool aujourd'hui, ils vont adopter un nouveau petit chiot. Oh là, on achète tout ce qu'il lui faut et plus encore. Et Marilyn, ici présente. Parfait. Oh. Hello Bruce. Yeah, hello Bruce. Oh, il est si calme. Il respire, Bibi. Okay, il est un petit peu stressé. Ok. Oh bébé, on va à la maison. On est le lendemain, on est allé chercher le petit Bruce hier. Et là, il a brisé Marc et il est on fire. Il est trop mignon. Il bouge avec son crocodile. Je lui ai fait manger plutôt que moi parce que j'en avais marre qu'il mange mes chaussettes et mon pantalon. Mais il est trop chaud, il est trop chaud. Oh, c'est trop chaud. Il a envie de tout. Aïe! Il a envie de tout attaquer. Et il a des grosses dents. Du coup, je ne le maîtrise pas des masses. On m'a dit de le garder. Mais voilà. Je ne suis pas très douée. Ça va? Tu vas bien? Non, ne mange pas. Mange ton crocodile. Ton crocodile. C'est une terreur. Sa démarche est super drôle. Bébé. Va voir papa. Elle est là-bas. So
Il est trop mignon. Et en fait, vu qu'il a le bout du nez rose, on leur met de la crème solaire et un petit cache museau. Je trouve ça trop rigolo. Mmh. Ouh. T'es imposant. T'es très imposant. Oula, oula, je m'éloigne. J'adore. Là du coup, ici on est là pour... on vient tous les matins et tous les soirs s'occuper des chiens. T'es où? S'occuper des chiens et surveiller particulièrement l'un d'eux qui s'est fait opérer. Y'a pas de chien. Y'a pas de chien. C'est un mobilhome, mais y'a pas de chien. Aïe. Ils sont peut-être accrochés autour. Mais là, j'ai entendu. Oh, mais tiens. Pétain, calme. Par contre, cette maison est incroyable, j'adore. 6 hours later. On les a retrouvés. C'était pas là où Tim m'a dit. Forcément, ça marche pas. Coucou. Coucou. Allez, on vous libère. Oh, 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 vous êtes tout fous. Attends, vous faire. Oh non, il est trop mignon, il chope des poires. T'as vu? Mais t'es trop intelligente! Un, deux, trois, test son AirPod, test son. Ok, bon, le son a pas l'air trop nul. Je vais vous filmer la petite recette que je veux faire ce soir pour la famille. Ok, bon, trois fois que j'essaye, cette fois c'est la bonne. Ma recette, poulet façon asiatique, genre sauce huître, huile de sésame, tout ça, ça a l'air très très bon. Et maïs. Pour cela, je vais utiliser du vrai maïs frais, pas du vieux maïs en boîte. Donc, je vais le faire bouillir dans l'eau, 10 minutes avec ses copains. Pour cela, d'abord, je les ai déshabillés, hein, c'est évident. Et ensuite, je ferai le reste de la préparation tout à l'heure. Là, voilà, je fais l'étape préalable chiante du maïs. Mais je pense que ça va être très bon. Donc, je vais vous reporter cette petite recette. Comme ça, ça vous fera une petite inspi pendant vos petits apparts étudiants. De retour dans Inde Cooking, Indergel Cooking, le maïs, du coup, qui est cuit, je pense. Je suis pas trop sûre. Je vais prendre un couteau et je vais le couper comme ça, la froute, 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 histoire de récupérer tous les petits grains. Maintenant, la préparation de la sauce. Pour notre sauce, nous avons besoin de sauce huître, d'huile de sésame et de vinaigre de riz et de l'eau. Bon, ça, l'eau, tout le monde a, c'est pas tout. Donc, il faut mettre 3 cuillères à soupe de soy sauce. Oh! De ça. Là, c'est pour 4 personnes. Hein. Toutes ces promesses, je en l'air, tous ces et un choix. Une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Et on touille. Je touille. Maintenant, nous allons découper l'oignon. Normalement, c'est un demi, mais moi, j'aime ça, donc on va en mettre en entier. On est trop fou. Petite assiette et zinzi. C'est problème dans les mœurs. Sur chambre bataille, je suis gosse. Un flot magnifique. Du coup, nos légumes, c'est tchèque, oignons et maïs. Ça a été une catastrophe. J'en ai envoyé partout. J'ai cru que j'avais du maïs jusqu'en Chine, mais on s'en est sorti. J'ai les yeux qui pleurent. Voilà, maintenant il va falloir que je désosse le poulet et que j'enlève tout son gras et qu'ensuite j'en fais des petits cubes. Là ça va être de la boucherie, je vous préviens. Âme sensible, septenière, moi-même je suis une âme sensible, les petits mouvements de cric cric, bègue, on n'a pas le choix.
Voici la poule qui va participer ce soir. En avant. Oh, ça a fait plein de... Oh, mais là, c'est problématique. Je regarde le paquet, il y a une mouche dans le paquet. Une mouche. Genre, on fait comment? Elle est dedans, genre. Mais... c'est une blague. Mais ça me... Ah, catastrophe. Ok, bon, ça va pas du tout ce qui se passe. Déjà, je vais l'ouvrir. Vous verrez la mouche. Non, mais Lilou. Ah, mais là, ça me dégoûte. Je vais rincer le poulet à l'eau, j'ai pas le choix. Je vais tout rincer à l'eau fort, très fort. En plus, maman, tu m'as toujours dit de faire ça avec du poulet douteux. On avance. Direct, ça me dégoûte. Il y a du sang partout qui coule. Là, ça va même pas partir. Là, c'est bien. Ok, le poulet a pris sa douche. Il a pas une odeur trop merdique. Donc, je pense qu'il est encore comestible. Si on est malade, on sait pourquoi. Voilà. C'est clair et net. Donc la consigne pour la recette, c'est de prendre des cuisses comme ça, mais d'enlever les os et tout le gras, et ensuite d'en faire des cubes. Je m'en répète peut-être, mais je sais plus si je l'ai dit. Donc comment faire? Déjà, je vais les séparer. La cuisse de la cuisse. Voilà, comme ça. Ensuite, je pense que je vais enlever toute la peau. Ah, ça me dégoûte. La sensation là, je sais pas si vous voyez la sensation de la viande qui craque sur tes mains. Je vais enlever sa chaussette. Du coup, je vais faire ça pour tout et je vous reprends après pour l'étape de on enlève les os. Ok, maintenant que nous avons notre montagne de poulet dépecé, je vais enlever les os. Je ne sais pas comment faire. Il y avait une mouche dans le paquet de poulet. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée. Ça m'a dégoûté. Du coup, j'ai un truc trop clair. Il faut qu'on fait quoi? Faut que tous les os s'en aillent. Ça m'a dégoûté. Mais j'ai bon espoir que ça passe. Voilà, j'ai bon espoir. Du coup, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour enlever les os. Je sais pas, aidez-moi. Je ne sais pas où est l'os. Ou bien, je coupe le long de l'os. Non. Bon, du coup, après avoir découpé mon poulet pendant 2h30, j'ai enfin des bouts. Voilà, c'était très chiant. Ne faites pas ça, achetez des blancs de poulet, des cuisses, je sais pas pourquoi, c'est con. Ensuite, je vais les recouvrir de fécule de maïs. Je vais faire cuire dans ce gros truc plein d'huile le poulet avec l'oignon et le maïs. Et ensuite, à la toute fin, je mettrai du gingembre, du piment et la super sauce et avec du riz. Et ça devrait être vachement bon. Voilà ce que ça donne une fois fini. Ça n'a pas du tout l'air appétissant. Mais ça sent comme à pitaya. Ça sent bon.